Les Atta construisent ce bâtiment pour faire une blanchisserie. On est 3 moniteurs. On accueille donc ici 22 travailleurs pour faire le travail de traitement du linge, de l'hôpital, du FAM, de la masse et d'autres petits clients. On a commencé ça début avril. À partir de la semaine prochaine, on aura la totalité du linge. D'abord, le linge arrive ici. Après, on trie là, on trie par couleur, sac jaune avec sac jaune et sac orange avec sac orange. On trie les vêtements, étiquette du patient. Et pour les médecins, on regarde dans les blouses s'il n'y a pas des stylos. Et après, Christophe ou moi, on les met dans la machine et on les programme. Et après, c'est ceux qui sont de l'autre côté qui les récupèrent. Donc une fois que le linge a terminé son cycle de lavage, on ouvre les portes, on vide, on dégage le premier tambour, donc ce qui a été déjà fait précédemment, on le referme, on sécurise. Et on renvoie la machine de l'autre côté, en verrouillant d'abord. Et ici on appuie pour la bascule. Donc là, je fais la bascule du côté du sale pour que mon tambour revienne et que je puisse avoir le second tambour à vider. Donc là, je l'ai fait précédemment et je vous montre quand même. Donc c'est la même capacité, c'est une 90 kg, donc j'ai 2 × 45 kg. Hop, une fois que ma machine a été vidée, je la referme. Et cette fois-ci, au lieu d'appuyer ici pour le demi-tour, j'appuierai ici pour la bascule du sale. Et donc là, ça va déverrouiller ma porte du côté de la zone sale, la zone de tri exactement, pour que mes collègues puissent remplir de nouveau les deux tambours. Donc ici, c'est le propre, comme vous voyez. Et au départ, on est allé au sale, nous, après, on récupère au propre. Donc après, donc, on sort de la machine à laver là-bas. Après, on le sèche au sèche-linge. Et après, on le plie. Super. Très bien. On rabasse ce petit morceau qui dépasse pour que ce soit joli. Comme ça. Super. Donc, on fait le côté linge pour les patients et après, on fait aussi drap après. Donc, c'est pareil, on le sort de la machine à laver, on le passe à la calandre et après, ben, pareil, il le plie. Parce qu'il y a une partie des draps qui vont passer là-bas à la calandre et des draps housse par exemple, ça passe à la calandre aussi. Ça passe au sèche-linge, on ne peut pas le passer à la calandre. Bah en fait, à la base, nous, on a des dotations à faire en fait pour les hôpitaux, ce genre de choses. Et en gros, bah, par exemple, j'ai ça, c'est les têtes d'oreiller. Bah, le matin, quand on commence, on conditionne un petit peu du linge. Donc voilà, ça, c'est des serviettes, des trucs comme ça, des bavoirs, tout. Et une fois qu'on a conditionné suffisamment de stock, vers 11h, on a des fiches, ce qu'on appelle les dotations. Par exemple, vous avez tel service qui demande tant, et nous, bah, avec mon collègue là-bas, on est dans les stocks, et puis, bah, on met au fur et à mesure dans les chariots et après ça part en livraison. Grâce à cet ordinateur, on met par exemple, si on nous donne un t-shirt et des chaussettes, on va sur l'ordinateur, on clique sur le nom de la personne. Ensuite, on fait deux étiquettes, une t-shirt, une paire de chaussettes. Et cette machine, c'est de cette machine que sort les étiquettes. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est les coller à un endroit précis du vêtement. Puis on les passe par cette machine-là qui permet de bien coller les étiquettes pour qu'ils ne soient pas perdus ou trompés de service. 10. Ça m'indique un chiffre, ça clignote et je pose la bille. Et chaque case représente un résident. On traite le linge plat de Sainte-Marie et le linge résident. Eh bien, ici vous êtes à l'abattoir, au nouvel abattoir de l'ESAT.
Saint-Joseph, la Barèze. On tue des volailles pour les particuliers et pour les producteurs locaux surtout. Alors on fait du bio et du fermier. Et on a notre propre élevage aussi. De plus en plus, on essaye d'agrandir pour fournir un peu les supermarchés autour et la vente directe. C'est un abattoir qui tourne avec 8 ouvriers à l'heure actuelle. On fait à peu près 450 volailles semaine, entre 350 et 400. Et à Noël, on multiplie ça par 2 ou 3. Tout dépend un peu de l'offre et de la demande. Alors là, c'est où on stocke les volailles. Déjà, vous voyez les lumières bleues, c'est pour directement calmer les volailles. Nous sommes bien à l'abattoir de l'ESA de Saint-Joseph. Je lave les caisses des producteurs qui ont amené leurs volailles. Donc, on positionne les caisses de poulet par producteur. Dès qu'il est goûté, là, il y en a un qui prend. Celui qui est ici, il prend. Il le met là. Après, c'est dommage que je n'ai pas les élastiques pour vous expliquer. Il y a des espèces d'élastiques aussi pour tenir les pâtes là. Hein. Ah oui. Ouais, pour rompre bien, pour que ça soit bien collé là. Dès que le producteur en a fini, on ouvre le frigo. Et bien, vous pouvez voir comme vous pouvez voir là.